Les chiffres romains sont des symboles appartenant à un système d'écriture numérique utilisé originellement par les Romains dans l'Antiquité et consistant à désigner des chiffres et des nombres par des combinaisons de lettres. Ce système a perduré jusqu'à nos jours, même après la généralisation de l'usage des chiffres dits arabes, dans un certain nombre de cas, obligatoires ou en tout cas courants. On désigne en effet obligatoirement par des chiffres romains les siècles et les millénaires, les papes et les conciles, les rois et les empereurs, les régimes politiques, et les actes dans une pièce de théâtre ou un opéra, les scènes étant, elles, désignées par des chiffres arabes. Par ailleurs, on rencontre encore couramment ces chiffres romains sur les cadrans solaires et sur certaines horloges ou montres, dans des dates figurant sur certains monuments ou sur des pages de titres d'ouvrages publiés, et même sur des tatouages et des t-shirts et aussi dans la pagination de certaines introductions ou préfaces, et dans des tables des matières ou des plans scolaires pour signaler des niveaux hiérarchiques de première importance, etc. On voit que ces chiffres romains, sans concurrencer les chiffres arabes que nous utilisons en permanence dans la vie quotidienne, ont encore une certaine utilité et qu'il est nécessaire d'apprendre à les lire correctement. Le principe des chiffres romains est fondé sur l'utilisation d'un certain nombre de lettres correspondant à des chiffres ou des nombres bien précis. Un à l'origine c'était une simple encoche sur un bâton cinq, dix, cinquante, cent, cinq cents et mille. Pour simplifier cette présentation, nous désignerons provisoirement par des lettres bleues les symboles des unités, des dizaines, des centaines et des milliers, et par des lettres rouges les symboles intermédiaires, 5, 50 et 500. Tous les nombres s'écrivent avec des combinaisons de ces sept symboles. Nous n'irons pas ici au-delà de 4000, ce qui pour des dates correspondantes à des périodes historiques est amplement suffisant. Un nombre écrit en chiffres romains se lit comme un mot composé de lettres dans un alphabet occidental de gauche à droite. Si l'on écrit à droite d'un symbole un symbole inférieur ou égal, on additionne les deux. Ainsi, un plus un égale deux.

100 plus 1 égale 101. 100 plus 5 égale 105. 100 plus 10 égale 110. 100 plus 50 égale 150. 100 plus 100 égale 200. 500 plus 1 égale 501. 500 plus 5 égale 505. 500 plus 10 égale 510.

1000 plus 1000 égale 2000. Vous remarquez que nous avons dupliqué les symboles bleus, 1, 10, 100 et 1000, mais pas les symboles rouges. On ne trouve pas 5 plus 5, 50 plus 50, ou 500 plus 500, puisqu'il y a des symboles spécifiques pour écrire 10, 100 et 1000. La limite de la duplication de symboles identiques est généralement de 3, même si on trouve des exceptions à cette règle, en particulier sur les monnaies. Mais dans le système de chiffres romains courant, on ne va pas au-delà. Donc on peut écrire 1 plus 1 plus 1 pour 3, mais en général, pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour 4. On peut écrire 10 plus 10 plus 10 pour 30, mais pas 10 plus 10 plus 10 plus 10 pour 40. On peut écrire 100 plus 100 plus 100 pour 300, mais pas 100 plus 100 plus 100 plus 100 pour 400. En revanche, on peut aller jusqu'à 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000 pour 4000. Compte tenu de cette limitation de 3, pour écrire 4, 40 ou 400, et de même pour écrire 9, 90 ou 900, on passe au symbole supérieur et on écrit non plus à sa droite mais à sa gauche ce qu'on lui retranche. Ainsi pour écrire 4, on écrit 5 moins 1. Pour écrire 40, on écrit 50 moins 10. Pour écrire 400, on écrit 500, moins 100. De même, pour écrire 9, on écrit 10, moins 1. Pour écrire 90, on écrit 100, moins 10. Pour écrire 900, on écrit 1000, moins 100. En revanche, on ne peut pas retrancher une simple unité à partir de deux dizaines et au-delà. Donc, on n'écrit pas 19 comme 20, moins 1 mais par addition de 10 plus 9, c'est-à-dire 10 moins 1. On n'écrit pas 49 comme 50 moins 1, mais par addition de 40, 50 moins 10, plus 9, 10 moins 1. On n'écrit pas 99 comme 100 moins 1, mais par addition de 90, 100 moins 10, plus 9, 10 moins 1. Et on n'écrit pas 999 comme 1000 moins 1, mais par addition de 900, 1000 moins 100, plus 90, 100 moins 10, plus 9, 10 moins 1. Nous pouvons donc à présent récapituler en commençant par passer en revue les chiffres de 1 à 9. 1, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais 5 moins 1 égale 4, 5, 5 plus 1 égale 6, 5 plus 1 plus 1 égale 7, 5 plus 1 plus 1 plus 1 égale 8, mais 10 moins 1 égale 9, et 10 qui est le symbole des dizaines. Pour les nombres de 11 à 19, il suffit de faire précéder ces unités par le symbole de 10, dupliquer en 20 pour les nombres de 21 à 29 et en 30 pour les nombres de 31 à 39. Mais à cause de la limitation des symboles à 3, 40 s'écrira 50 moins 10. Pour les nombres de 41 à 99, on fait donc précéder les unités par ce symbole de 40, puis de 50, puis de 60, 50 plus 10, puis de 70, 50 plus 10 plus 10, puis de 80, 50 plus 10 plus 10 plus 10. Mais à cause de la limitation des symboles à 3, 90 s'écrit 100 moins 10, qui précède les unités pour les nombres de 91 à 99, jusqu'au symbole 100. Pour les grands nombres au-delà de 100, les mêmes règles s'appliquent. On additionne, en partant de la gauche, les milliers, puis les centaines. Puis les dizaines, puis les unités. Ainsi, on écrit 1263, 1000, 200, 100 plus 100, 60, 50 plus 10, 3, 1 plus 1 plus 1. En lecture, il faut de même repérer et séparer mentalement les milliers, puis les centaines, puis les dizaines, puis les unités. Ainsi se lit mille neuf cent quarante neuf. Mille neuf cent quarante neuf. Et encore? Ce lit deux mille quatre cent quatre-vingt-dix huit deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit.